partagez-nous ça rapidement. Il y a un sapin tribaliste qui pleure, qui est venu pleurer aux hommes loin. Qui est venu partagez-nous ça, dis donc. Eh hey, oh là 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 là, il faut que je branche mon téléphone. J'ai oublié que j'avais une un truc pour charger mon téléphone dans la voiture. Envoyez les cœurs, les gens. Envoyez les cœurs, la salle tribaliste. Aline Vondo, bonjour ma petite soeur chérie. Je t'adore. Bonjour. Je vais laver cette sale tribaliste. Cette sale femme de diamant brut. Diamant brut, celle qui a organisé le lynchage de la première dame sur la toile. Qui a organisé et qui a rassemblé les mendiantes de la toile pour dire que c'est la première dame qui était à l'origine. Ma fille a déjà payé mon machin. La merde. Elle a déjà payé. Quoi là? Le sèche-linge. Dès qu'elle a payé avec la carte, bang! La Bisec m'a déjà envoyé ça sur mon portable. Et vous dites que le Cameroun n'avance pas. Vous dites que vous êtes monté, descendu. Le Cameroun est nouveau. Et en marche. Et moi, je suis désormais avec Apollonie Ngono. Désormais. Bipez-moi Apollonie Ngono. Je suis avec elle. Je suis avec Apollonie Ngono matin, midi, soir. Apollonie Ngono, je suis avec elle. Un Cameroun nouveau est en marche. Il n'y a que les femmes comme les Apollonie Ngono qui peuvent venir parler ici devant les gens. Ah, elle a acheté. Il n'y a que les femmes comme les Apollonie Ngono. Partagez-moi le direct. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Qui peuvent venir parler? Parce qu'elles sont arrivées au Cameroun. Elles sont arrivées au Cameroun. Elle a fait ses preuves. Elle a affronté toutes les couches sociales. Et elle a saisi comment est-ce que le Cameroun fonctionne. Alors, comment? Qui a enlevé? Il y avait un gars. Le gars qui vendait les balais. Et où est-ce qui était là? Wow! Apollonie Ngono est la seule femme Ekang sur la toile qui est respectée ici au Cameroun. La seule. Apollonie Ngono, c'est la seule. On est à la recherche des femmes comme elle. On est à la recherche des femmes comme Apollonie Ngono. Oui. Elle n'a pas été trop ma copine, mais politiquement, c'est une puissante. C'est une lionne qui est en train de se démarquer parmi la racaille. Dans la racaille, les diamants bruts. Diamants bruts, tu viens dans mon live, tu viens m'attaquer dans mon live. Tu es jalouse parce que toi, est-ce que je t'ai déjà vu déjeuner le matin avec ton bataillon, avec toutes les allocations que la France te donne? Je t'ai vu, je ne te suis même pas d'abord. Déjà, je ne te suis pas. Parce que d'abord, tu n'es même pas compté parmi les femmes qui doivent prononcer mon nom sur la toile. Diamant brut. Tu es très culotté. C'est pas parce que tu t'es levé et tu dis que tu es quand tu commences à insulter les gens et tout et tout. Tu n'es rien. Tu n'es pas parmi les femmes qui peuvent se lever et prononcer Chapuis sur la toile. Parce que, un, on n'a pas le même parcours. Tu es une sale bosailleuse que les Arabes ont dévoré les fesses durant ton parcours. Parce que tu n'avais pas l'argent pour t'acheter un visa. Et un machin, tu te lèves, tu dis les Bamileke et tout et tout. Les Bamileke sont ceci. Le Cameroun, c'est le pays des écoles. Mais une sale villageoise comme ça. Tu as fait tout le parcours là. Quand on fait ton parcours pour arriver en Beng. Quand on se fait tapiner par tous les Arabes. Comme Marie-Paul t'avait lavé. C'est Marie-Paul qui avait fait que je connaisse même qui tu es. Parce que tu t'étais attaqué à cette brave dame. Hein? À cette brave combattante. Là où on parle du combat, le diamant brut, tu es qui, tu as quoi? Tu peux payer le train, tu peux payer les billets d'avion et faire les combats comme nous avons fait. Il est où? Moi, je vais le faire arrêter. Hein? Envoyez les cœurs. Il faut remettre les pendules à l'heure. Il y a un groupe de sales machins là qui sont arrivés en Europe. Tellement ils ont miséré sur la rue du Boza.
qu'elles ouvrent leur bouche sur les braves femmes qui ne voyagent qu'en première classe. Diamant Brut, tu es qui pour parler sur la toile? Que tu veux insulter les gens de l'Ouest, tu veux dire que les écans et tout. Tu ne sais pas que les meilleurs partenaires des écans, c'est les Bamileke? Les meilleurs partenaires du président Paul Biya, du prochain régime, c'est les Bamileke? Toi, tu peux te lever, c'est pas parce que tu fais tout ça, on ne répond pas. Tu fais tout ça, on se dit, bon, il faut la laisser, c'est une misérable. Elle est en train, un Bamileke même l'a fait Boza pour arriver en Europe. Hein? Vous êtes des gardiens, non? Vous gardez les voitures, non? Retrouvez-moi mon balai rapidement. Le voici, maman, il est là. C'est vous qui êtes responsable. Partagez-moi ça. Partagez-moi ça. On ne peut pas faire que le président de la République fait un conseil ministériel où il interpelle tous les ministres qui sont des porte-parole. Que faites attention, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Il y a des propos qu'on ne pardonne pas. Et il y a un groupe. Moi, je lui ai même demandé d'enlever le bas. Personne. Il est où? Je croyais que c'est là. Il est où? Il fait quoi? Qui a enlevé? Qui a dit qu'on enlève? Hein? Je vous ai dit de partager le direct. Je vous ai dit ça. J'ai besoin que ce direct soit partagé. Elle m'a attaqué et je vais lui répondre. Je vais lui répondre et très très bien. Voilà. Chef. Faites-moi ça rapidement. Moi je suis en train de partir. C'est que on le fait. Vas-y, vas-y, remets-moi mon balai. Le balai qu'on a trouvé, mais beaucoup de choses étaient cassées ici. Oui. Et alors? Il faut payer encore au-dessus là. Remets ça. Moi je n'ai pas le temps à perdre. Tu as ça à vendre? On est parti à la campus. Non, c'est combien? À campus là-bas. À combien? Combien? 22 000. Va prendre. Cours! Moi je reviens dans. Écoute! Tu es là jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 18h, 20h. Non, pas 20h. Je reviens dans. Il est quelle heure? Ça ne va pas gagner. Jean-Paul! Hein? Oui. Je reviens à 15h. Oui, papa Tagne. Oui. Ok. Non, non. Non, tu gagnes là. Non, non, je viens, je sais. Ok, je reviens, tu installes. À tout à l'heure. Hein? Je dis, hein? Je suis en train de faire mon live. Une sale prostituée qu'on appelle Diamant Brut, la même femme, la même misérable qui a organisé le lynchage de la première dame par rapport à Amougou Belinga. Voilà les gens qui ont mis Amougou Belinga dans les problèmes. Cette prostituée-là, tu t'es prostituée en Bogada. La misère a voulu ta mort, tu as pondu les enfants sans père. Tu as pondu les enfants sans père. Ils sont apparemment déjà arrivé en Europe, tu vois que c'est déjà au Cameroun encore que tu dois venir chercher l'argent. Tu commences à crier derrière Amougou Belinga. Vision qui s'est levé et Vision qui t'a dit dégage. Parce que c'est toi qui as commencé à détourner le combat des patriotes qui donnent qui accordaient leur soutien à Amougou Belinga. Ou tu as dit que tu as fait venir une dame soi-disant que c'était la soit disant que c'était la nièce de la tante de Mélissa qui est venue et qui a tout dit sur la première dame. Pour toi, il ne fallait pas qu'on dénonce. Parce que tu crois que tu es qui? Laisse Stella Amougou parler, putain. Laisse Stella Amougou parler sur la toile au nom des femmes et camps. Tu as compris ça? Laisse les Kati Meba parler. Laisse les Apollonie Ngono parler. Tu as compris? Laisse les Apollonie Ngono parler. Qui t'a appelé sur la toile?
Diamant brut. Qui t'a dit de parler au nom des Camerounais? Au nom des Ekans, qui t'a dit? Qui t'a dit de parler au nom des Ekans Camerounais? Hein? Qui t'a dit? Tu connais les vrais Ekans? Tu connais la politique des vrais Ekans? Tu es qui? Tu es qui? Attends, j'arrive chez moi, égale la voiture. Tu es qui? Diamant brut. Tu te rends compte que tu es un tribaliste, tu es content. Parce que tu veux la place au soleil. Les nous, on a la place au soleil, c'est même pas parce qu'on est tribaliste. Ce n'est pas parce qu'on est juste républicain. Tu as compris? Et si c'est au-dessus de toi, je peux le comprendre. Parce que si tu connais mon parcours au Cameroun, j'ai travaillé au Cameroun avant de partir du Cameroun. Tu as compris? J'ai fait trois enfants et quand? Avec un même homme, donc toi et moi n'a pas le même parcours. Parce que toi, tu es une prostituée. Parce que chaque enfant chez toi a un père. Jusque-là, on te pardonne. Tu es arrivé en Europe. Tu as Boza. Tous les Marocains ont tapiné tes fesses. Tu es arrivé en Algérie. On a fini avec toi. Tu es arrivé en Mauritanie. On a fini avec toi. Tu es arrivé au Tchad. On a fini avec toi. Jusqu'à ce que toi, Diamant Brut, tu es arrivé en France. Tu as commencé par la prostitution. Tu t'es attaqué à un Bamileke. Il t'a framponné. Parce que c'est un Bamileke qui te fait venir en France. Mais Jean, voilà son histoire. Il t'a framponné. Il t'a abandonné parce qu'il a vu que ta tête était dehors. Il était banganté. Toi-même, tu l'as dit ici. Quand maintenant tu as commencé ton histoire de Amourou Beninga, que et quand, parce que les Bamileke et tout. On t'a fait comprendre que ce n'est pas tous les Bamileke, ce n'est pas tout l'Ouest qui est opposé à Paul Biya. Parce que tout ça se résume au propos, au niveau de l'opposition politique. C'est ça que toi, la chiennasse, tu n'as pas compris. C'est pas parce qu'un Bamileke est opposé à Paul Biya que tu dois le prendre, qu'il doit faire l'unanimité. Tout de même comme il y a les Ekans qui sont opposés à Kamto. Et il y a les Bamileke aussi qui sont opposés à Kamto. Ça veut dire que tout se résume au niveau du choix politique. C'est le choix politique qui nous diffère. Mais toi, tu te lèves, tu dis que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Chez toi, c'est où? Sale prostituée qui a risqué sa mort, sa vie dans l'eau. Sale prostituée, tu as risqué ta vie dans l'eau parce que tu fuyais le Cameroun. Tu disais, et pourtant le Cameroun était dirigé par un Ekan. Tu fuyais dans quoi? Dans l'eau comme ça, bah? Moi, je suis Bamoun et j'affronte le Cameroun avec ses difficultés. Toi, qui es donc Ekan? Le Cameroun est dirigé par un Ekan. Tu fuyais quoi? Parce que toi, tu as pris le plus gros risque pour fuir. Hein? Mais tu as pris le plus gros risque. Hein? Tu es parti, tu as traversé l'eau dans les bateaux. Les morts qu'on enlève avec la pelle, là, tu aurais pu être dedans. Diamant brut. Tu aurais pu être dans les morts, là. Tu fuyais, mais aujourd'hui, tu viens défendre les Ekan. Tu as fui le régime d'un Ekan. L'Ekan avait besoin de vous, non? Il avait besoin de toi, Diamant Brut. Papa de français que tu as appris au Cameroun, c'était pour venir parler sur les Bamileke. Les nous là qui avons quand même fait une journée et demie à l'école, on a vu que les nôtres français pouvaient plutôt venir servir le Cameroun. Et non, t'as pas là. Toi, tu pars, tu arrives donc en Europe. Tu commences par la prostitution, ça te dépasse. Tu trouves un moyen de faire venir encore tes enfants dans le même Boza. Dans le même Boza. Et quand tu fais venir tes enfants, tu... Ils te dépassent. On te dit que quand tu as déjà un bataillon d'enfants, la France te donne les allocations. Et tu commences à vivre des allocations. Les profiteurs du système français. Quand vous voyez déjà mes gens, une personne qui profite du système français comme Diamant Brut, vous vous attendez à quoi? Dès qu'il y a un combat à Amourou Beninga, il doit sortir, sinon le Cameroun doit brûler. On voit Diamant Brut derrière. Là où elle estime qu'il peut avoir 5 francs, vous allez la voir derrière. Et comme elle voit que Guylaine Chapuis ne mange pas de cette sauce, parce que Guylaine Chapuis est républicaine, elle est pour la justice camerounaise, et elle, en fait, est pour le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, et son épouse. Voilà ce que Guylaine... Et toi, tu te lèves,
Tu viens dire que tu as tué ta mère. Tu es un criminel. Tu sais, les gens qui ont tué leur mère, ils sont maudits, hein. Ils ont des vies pas possibles, hein? Ils ont le sang qui coule dans leur tête, hein? Sur leur tête. Mais moi, tu as vu ça? Tu as vu le conteneur? Tu dis que je me lave avec l'eau de Javel, tout ça. Diamant Brut, ma salle de bain, te paye tes 1200 euros pendant 26 mois. Ma coiffeuse, c'est 1200 euros que tu gagnes en torchant toutes les couleurs de merde en Europe pendant 26 mois. 26 mois! Tu as compris ça? Retiens ça aujourd'hui. Donc, tu n'es même pas parmi les femmes qui peuvent prononcer le nom de la dame Chapuis. Tu es courageuse, hein? Sur la toile. Les Stella Amougou sont là. Les Apollonie sont là. Les Cathy Meba sont là. Mais toi, tu sors d'où? Tu sors d'où? Hein? Tu sors d'où? Tu as déjà vu que Stella Amougou sur la toile? Tu as vu le charisme de la fille Ekan? Voilà la fille Ekan. Elle met la caméra sur ses meubles. Même le meuble lui lève le chapeau. Elle met la caméra sur son lit. Le lit dit oui. Voilà les Ekan que moi je connais. Je ne connais pas ta qualité là. Avec les sales tresses sur la tête, avec les mèches de 10 francs que tu fais les rastas avec. Non. Tu ne dois pas parler là où moi je parle. Tu ne dois même pas prononcer mon nom. Hein? C'est pas parce qu'on vous a donné la gueule que tu dois t'amuser, c'est bon, maman. Merci. Merci. La seule chose, elle vient et elle prononce mon nom. Elle tue sa mère. Elle manque les gens, qu'elle donne le travail aux gens au pays. Elle escroque les gens. Moi, je ne donne pas le travail aux gens au pays. Je vous ai toujours dit, je ne donne pas le travail aux gens au pays. Parce que les gens au pays, ont du travail. C'est que vous n'allez pas comprendre. Si tu veux savoir comment ça fonctionne au Cameroun, tu nous dis, on te dit comment ça fonctionne. Sale bordel. Hein? C'est vous qui dites. Tu accuses les gens. Tu accuses que... Oh, les bordels. Tu as vu, non? Oh, Madame Chapuis, elle est assise sur le elle est assise et dès qu'elle est assise là, sur la chaise, en train de tourner, elle attend que quelqu'un vienne et elle descend, elle donne les fesses. Non, ça c'est ton travail que tu as fait avant de partir. Hein? Ça c'était ton travail. Hein? Ça, c'est ton travail. Si les Bamilékans ont trouvé que tu n'étais pas une femme, putain, ce n'est pas de leur faute. C'est que tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Tu n'as pas le charisme ni la... Tu as vu, c'est là. Soulève le seau, petit seau bleu dedans, blanc dedans. Hein? Moi, je vais te rappeler l'histoire de ce pays. Je vais te rappeler ça. Tu as compris? Diamant Brut. Je vais te rappeler ça. Merde. Je vais te rappeler ça. Tu as compris? Je vais te rappeler ça. Sale bordel, je vais te rappeler ça. Tu as compris? Je vais te rappeler ça. Merde. Attends, je vais tout simplement prendre. Oh, j'ai pas. Je vais prendre la clé de ma chambre. Parce que je vais prendre mon chargeur. Qui dit que je me lave avec l'eau de Javel. Toi, tu as même la peau noire. C'est même pas que tu fais le Njang sang. Tu as la peau noire. Ta peau noire a mille couleurs.
1000 couleurs. Une peau noire qui peut avoir 1000 couleurs, c'est la peau de diamant brut. C'est la peau de diamant brut. Elle vient parler à une dame, à une digne femme. Tu viens parler à qui? Tu viens parler à qui? Hein? Tu viens parler à qui? À une digne femme? Tu viens parler du tribalisme? Bipez-moi à Polonie, non? Tu viens parler du tribalisme? Torcheuse de cul? Tu viens parler des Bamilékés, toi? Mais genre, je vous ai toujours dit que je ne donne pas le premier coup. Je sors de mon restaurant avec ma belle-fille. Je suis en train de faire mon live. La sale prostituée de Diamant Brut, qui se dit tribaliste, qui se dit tribaliste, hein? Je suis Bamileke. Je ne peux pas me centrer sur toi. Tu dis que je me centre sur toi et ne te fabrique pas. Tu es une sale prostituée et tu es consciente que tu as échoué dans tout. Tu es consciente que tu as échoué dans tout, Diamant Brut. Tu es consciente que tout ce que tu as commencé ici, que Fédération et quand ça t'a dépassé, ça vous a dépassé. On a dit ici au Cameroun qu'on ne peut pas entendre ça, vous avez déjà abandonné. Tu as commencé que Amougou Belinga, Vision 4 même a dit que ferme ta gueule. Tu ne mets pas ta bouche sur la première dame. Les gens que tu as réunis, tu la boucles. C'est déjà fini. Tu ne parles plus de ça parce que tu as su qu'il n'y a plus 5 francs que tu vas gagner. Hein? Une chose qui n'a pas un rouge à lèvres normal. Tu peux parler de Madame Chapuis? Tu connais mon parcours? Mon parcours, ce n'est pas le tien. Hein? Mon parcours, ce n'est pas le tien. Apprenez à respecter les gens. Tu dis, si je te dis maintenant que tu vas me dire où j'ai tué ma mère, tu vas dire quoi? Parce que je peux m'asseoir sur toi. Je peux m'asseoir sur toi, même après 10 ans. Parce que vous, vous êtes avec vos machins de 1200 là, où vous torchez les cuirs des blancs. Pour faire un billet d'avion, tu vas même laisser ton bataillon à qui? Il faut que tu fasses le billet d'avion pour tout le monde. Il te faut 5 ans pour venir au Cameroun. Il te faut 5 ans pour venir au Cameroun. Hein? Oui, oui, il n'y a pas de problème, c'est l'argent. Maquillage, c'est l'argent. Toi, tu vas te décaper que tu as quoi? Même la mèche normale, tu n'as pas. Diamant Brut, même la perruque normale, tu n'as pas. En tant que jeune fille, tu as quoi? Laisse le physique. Laisse mon maquillage, laisse mon décapage. C'est mon argent. Et je me décape avec mon argent. Toi qui es naturel, tu as quoi? Même la perruque normale. Diamant Brut, je vais te donner la perruque. Envoie-moi l'adresse parce que ta famille est ici en Vogada, en train de briser le poisson tous les soirs. Je vais t'envoyer les perruques. Parce que ce que tu as sur la tête là, ça n'a même pas de couleur. Ça n'a même pas de couleur. Hmm? Assois sur moi, assois sur moi. Fiche le camp. Tu fais quoi sur mon mur en fait? Je ne peux même pas t'accuser que tu es tribaliste. Tu ne sers à rien, qui te connaît? Hein? Quand les Stella Amougou parle, quand les Stella Amougou parle, hein? Les vraies filles et quand de la toile, elles parlent comme ça, elles se tournent comme ça, tu vois ses meubles, tu confirmes. Elles mettent comme ça, tu vois sa chaussure, tu confirmes. La vraie féminité et quand que j'ai connue. La vraie féminité, et quand que j'ai connu, la Polonie Ngono. Toi, tu cherches quoi là au milieu en fait? Tu es invisible. Tu es invisible. Hmm? 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 Tu es invisible toi. L'école est bien. Tu n'as pas d'école là que tu as fait là partout. Tu dis que l'école est bien. Moi, je n'ai pas dit que je suis allée à l'école. Donc, toute ton école, c'était pour aller torcher les cuits des blancs. Parce que moi, je croyais que le torchage des cuirs des blancs, c'est pour les... Ne regarde pas seulement mon maquillage, mais regarde ce qui est posé dessus. Ma, regarde ce qui est posé dessus. Regarde ce qui est sur les doigts, là. Regarde ce qui est sur les doigts. J'ai en tout 82 pierres de diamants sur le doigt. Et ça, c'est les cheveux. Ça, c'est les cheveux. C'est pas la mèche, c'est pas les conneries que tu mets sur la tête. Hein.
Hein? Ce n'est pas les conneries. Harmonie, c'est celle de diamant brut, la bosailleuse. Tu es belle, tu n'as pas pu avoir un homme pour t'acheter un visa, madame. Moi, c'est un homme qui m'a acheté un visa avec 3 enfants déjà au Cameroun. Tu es belle, tu n'as pas l'argent pour t'acheter un visa. Un visa. Tu as bosa. Les Arabes ont tanné ton cul. Les Maliens, partout où tu passais, ça déchirait. Partout où tu passais, ça enfonçait. Partout dans l'eau, les bateaux comme ça. Les gens qu'on enlevait à la pelle, tu aurais pu être là-dedans. Une belle femme comme toi, alors. Plus belle que Guylaine Chapuis. Tu as eu besoin de ça pour arriver en Europe. Et tu viens me parler, toi. Tu viens me parler, toi. Toi, tu viens me parler. Que maquillage, je me maquille, ma. C'est mes dos. Tu veux que j'aille te montrer les huiles de maquillage là? Hein? Tu veux que j'aille te montrer le maquillage là, ma? Attends, il va te montrer ma coiffeuse. Tu vas bien voir, tu vas bien voir l'eau de Javel. Diamant brut, tu m'as cherché. Tu m'as cherché et tu vas me trouver. Tu as compris? Voilà le maquillage. Je te montre. Tu vas, toi-même, regarde toi-même. Attends. Regarde le maquillage. Regarde. Tu connais ça? C'est ciselé. Va demander le plus pauvre idiote. C'est ciselé là. Regarde. C'est Clarence. Regarde. Regarde, 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 regarde. Regarde. C'est du Macari. Oulala. Regarde toi-même. Ça, c'est lotion ciselé. Je vais te montrer. Et là, double sérum Clarence. Oh là là, regarde, regarde, c'est une nuance. Va regarder, va taper sur Internet. Tu regardes, pauvre idiote, regarde, regarde, ça c'est du Garnier. Tu as compris? Chienne, regarde, 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 ça c'est une lotion. Ça c'est Méricourt. Hein? Méricourt, tu as déjà entendu parler? Pauvre idiote, tu as des... Tout ça, regarde. C'est du Clarence. C'est du Clarence, madame. Madame, c'est du Clarence. Regarde. L'Irak. Tout ça, c'est européen. Et ça. Ça. Regarde. Regarde toi-même. Regarde. Regarde. Ça, c'est tout pour le corps. Ça, c'est tout pour le corps. Tu veux que je t'ouvre un truc? Je vais t'ouvrir un truc. Et après, on revient. Ça, c'est mon lit. J'ai dormi là le matin. J'ai dormi, il est déjà fait. Hein? Il est déjà fait. Tu as compris? Il est déjà fait. Il est déjà fait. Tu ne ris pas, tu ris la misère. Tu ris ta misère, diamant brut. Parce que, diamant brut, tu ris ta misère. Quand tu ris, c'est ta misère. C'est ta misère. Il fallait que je te montre un peu. Attends, je vais t'ouvrir. Je vais t'ouvrir. Ça, c'est une boîte neuve. Tu as compris? Voilà. Tu connais ça? Biocite. Va regarder sur Internet. Biocite. Ça se vend en France. Tu as compris? Ça se vend en France. Il faut que je t'ouvre ça parce que la boîte, j'étais pris une boîte neuve pour t'ouvrir ça. Envoyez les cœurs. On va finir avec la pauvre idiote. C'est les fioles. Tu as vu? C'est des fioles. C'est des fioles. C'est pour mettre dans l'eau de bain. C'est pour mettre dans l'eau de bain. T'as vu ça? Tu ne peux pas me pousser à bout. Il faut que je te montre que tu ne sers à rien. Et si tu veux, comme c'est dimanche, madame, je te sors la richesse d'une femme. Je t'amène dans ma lingerie. Parce que je sais qu'à te voir, quand on torche pour 1200, on peut pas se faire plaisir. Il fallait que je te dise. C'est très facile de dire maquillage, maquillage. Tu as vu mes produits? Et je t'ai épargné ma salle de bain. Hein? Et je ne t'ai même pas tout montré. Ça, c'est ce que je mets. Soit je mets dans mon eau de bain, soit dans mon huile, soit je bois. C'est comme ça. Tu as compris? Ça s'appelle le bien-être. Pauvre femme. Pauvre femme. Je suis vulgaire. Jusqu'à Paul Biya me fait entrer dans au palais. Jusqu'à Paul Biya me fait entrer dans son salon. C'est toi qui es vulgaire. Tu as pris le risque d'aller te faire baiser par tous les Arabes.
de la route pour arriver en bain. Tous les Arabes de la route sont montés sur toi pour arriver en bain. Et tu viens me parler. C'est bon ça. Ça s'appelle le bien-être, pauvre femme. Pauvre femme, ça s'appelle le bien-être. Tu as quoi? Il fallait que je te montre ta place. Laisse Stella Amougou parler. Laisse Stella Amougou, en dehors de Stella Amougou. Il y a pour le Ningo, non? Ah oui? Ne nous voilons pas les yeux. Il y a Polonigono, il y a cela. Tout le reste là, la gamme où vous êtes là, c'est des misérables parce que vous venez même pas au Cameroun. Hein? Vous ne venez pas. Stella Amougou est arrivée au Cameroun. Elle était au 8 mars avec la première dame. Oh ah! C'est ça qui est ça. Et demain, après-demain, ça sera les porte-paroles. Ça ne sera pas la racaille comme toi. Je ne la bloque pas. Je ne la bloque pas. C'est tout ce qu'elle dit là. Ton homme là que tu pleurais. Et tous ceux qui sont là. Anton là, tes oncles et tes cousins. Tes oncles qui ont pillé le pays là. Tu connais où ils se trouvent, non? Moi, je suis qui pour être dehors. Je suis qui pour être dehors. Il faut avouer que je suis forte. Hein? Parce que même les milliardaires sont en tôle. Pour voler escroquerie et détournement. Chapu, tu es qui pour être dehors? Jusqu'à tu es invité par le président Paul Biya et sa femme. Le 20 mai. Au cœur de la salle. C'est pas dehors. Là où les certaines personnes. J'ai dit au cœur, à l'intérieur. Comme ça là. Hein? Marlise Akamba. Il faut que Maman intervienne. Voilà les femmes. Marlise Akamba, femme, maman. Tu as mangé le croissant au pain au chocolat chaud. Je suis allée faire pareil que ta belle-fille Marlise Akamba. Hey, il y a une sale bordel tribaliste de diamants bruts. Qui veut me parler? Une sale chose! Maman Guigui, ma sissou d'amour, on ne répond pas à toutes choses. Laisse. Il faut laisser. Il y a des choses plus importantes. On ne répond pas à tout le monde. Parce que moi, quand je m'accose, j'ai dit je m'accose sur trois personnes. Et puis, je vais même peut-être laisser une ou bien deux. Parce que quand on est là, ça ne joue pas. Est-ce que tu as écouté les voix que j'ai fait sur Facebook? J'ai écouté les voix, j'ai eu froid au dos. Ouais. J'ai eu froid au dos. Elle accuse, je ne sais pas qui, elle dit c'est telle personne qui m'a envoyé. On écoute la voix de son frère, mais elle veut quand même justifier en disant que ce n'est pas son frère qui a envoyé, ce n'est pas son frère qui a parlé. N'importe quoi. Comme j'étais tout à l'heure, attends, je vais aller au salon, je bois mon coca, je suis à ma pause de midi. Super. Je vais aller dans mon salon, dans ma maison conjugale. Voilà. Ah, c'est ça. Les camps de ça, la femme de camp de ça. Ah oui, voilà les dames. Je suis dans mon salon. La femme de camp de ça. Ben oui, à côté. De ma mère, toujours. Hein? Alors, je m'assois sur mon salon, je m'assois à côté de ma mère. C'est celle qui me donne tout ce pouvoir. Voilà, je disais tantôt que. Oh là là, est-ce que je suis belle? Excusez-moi, on cache ma mère. Je suis. Maman, les choses de Biba, on allait voir ça. J'ai le téléphone à la main. Qui m'appelle là? Ouais. On m'appelle. Je vais dire à la personne que je suis au direct de Maman Chapuis. Je suis au direct de Maman Chapuis. Je t'appelle dans 15 minutes. Tu comprends? C'est ça, ok. Au direct de Maman Chapuis, je suis en train de décrypter. Je dis parce que. Quand elle met les voix, ce qu'elle a mis là, tu mets les voix d'une personne qui se querelle avec une autre. C'est normal que les gens se disent du n'importe quoi. Mais c'est clair. C'est ça, je dis que je suis à 100 000 lieues d'eux. Parce que quelqu'un qui se querelle avec l'autre, est-ce que c'est vraiment important de mettre ce voix? Non. Je ne crois pas. Voilà. Mais quand tu es avec quelqu'un, imagine que tu as ton frère, ta soeur, qui te descend
C'est des inconnus. Oui. C'est ça qui est pas mal. Je dois te dire que si tu t'amuses, je mets le voice là où on dit que c'est pas toi la mère, ta famille. Je le joker de si tu... Le joker de ça. C'est pas ce que vous faites là. Je t'ai dit de te débarrasser de Sormani Pauline. C'est elle qui te fout dans le bordel. Voilà. C'est elle qui te fout dans le bordel. Maintenant, voilà. C'est ta famille, hein. Ce n'est jamais sa famille. Et elle ne peut pas aller te défendre là où les autres te parlent. C'est seulement là où je parle. Il faut voir donc que son problème, c'est moi. Ce n'est jamais qu'elle ouais. t'aime. Exact. Hein? Exact. Ce n'est exact. Jamais qu'elle t'aime. Malise. Elle veut se venger de moi parce que c'est tout ce que je lui ai collé. Donc, c'est pas parce qu'elle t'aime. J'ai dit à la famille de Zoa, Ndong, elle dit que j'ai dit que son père n'est pas Djeba Yole. C'est vrai, sur ses papiers, ses pères, Ndong, Michel, Gabonais, exact. Moi, je ne sais pas, j'ai vu ses papiers. Exact. Je suis allée au tribunal avec elle en Suisse. Et puis, elle sait qui est mon père. Quand elle me dit voilà. que mon père, ma mère a divorcé, les mamans d'avant ont divorcé. Jamais. Je te rappelle que je suis la dernière née de maman. Mon frère aîné aura 80 ans le 16 décembre 2023. Donc, ma incroyable. Maman a dit que moment. Je n'ai même pas ça le problème. La fête aura lieu dans mon village, au Cameroun, à Abanga, 80 ans de mon frère. Il fait chaud. Ouais. Donc, je dis, j'appelle la famille de Zoa au secours. Parce que ça exact. Pas. Les choses qu'ils viennent faire là. Ça, non, non. Ça, c'est du tchavoum. J'appelle sa famille au secours. J'appelle, je demande qu'on la calme. Parce qu'on est allé jusqu'à filmer les toilettes de son père. Ce n'est pas normal. Et jusque-là, elle fait le pied de grue à Eboloba parce qu'elle espère voir Nanou pour se filmer montrer sur Facebook. Facebook, c'est quoi? Est-ce que tu as besoin de preuves? Tu aurais pu prendre la main de ta soeur, tu te calmes. Exactement. Tu te calmes, elle a insulté les autres femmes, elle a insulté le compresseur, banque pourrie, moi-même banque cimentée, et tout ça. Alors que c'est qu'elle a le problème. Hmm? Donc, je suis en train d'appeler Endams, son frère, que tu as vu qu'il avait les voitures, qui est professeur là. Je suis en train de l'appeler. Je lui dis de parler à sa soeur. Mm-hmm. Voilà sa soeur qui est ici à Genève, qui est trop calme. Elle descend au Cameroun là. Il faut qu'elle parle à sa soeur. Parce que ça fait un peu trop. C'est la seule famille qu'on mêle sur Facebook. Exactement. C'est la seule famille. Et c'est pas bon. C'est ça. La famille de Zoa est la seule famille qu'on mêle sur Facebook. Nous vraiment. Nos choses, on se suit. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, après j'étais en embrouille avec Valérie Amour, que je ne connaissais même pas. C'est toujours les Pauline Sormani qui montaient des gens. Mon neveu a voulu répondre. Je lui ai dit stop, mets-toi de côté. Ne réponds pas. Ma famille n'a jamais été mêlée. Jamais. Et c'est pas bon. Donc, à lui où vont les choses, là où ça va, là, c'est trop dangereux. Parce que quand une femme se met sur Facebook, exact. Elle jubile sur le décès d'un homme, d'un être humain, enlevant même que c'était son amant. Elle jubile sur le décès de sa copine. Elle harcèle le garçon, le fils de sa copine. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Je dis, on finit d'enterrer Lambert, mon fils. On va prendre le cas de Zoa en considération. Parce que c'est exact. Un peu de coco. Zoa est la femme. Et moi, ça me. Des fois, je me dis, attends, j'ai même dit que je la laissais. Hein? J'avais déjà dit que je la laissais. J'ai c'est une. Vrai. Bon, elle m'appelle ma fille alors qu'elle ne peut même pas être ma mère. Grand-mère de Lausanne. Oui. Elle m'a dit, ma fille, laisse cette histoire. Même quand tu n'écoutes pas les gens, j'espère. Parce qu'il y a des gens ici qui savent que quand ils parlent, je les écoute. Oui. C'est comme alors son acolyte, Pauline Sormani, qui sait, quand elle sait qu'on veut déjà libérer quelqu'un, elle va guetter avec son miroir, elle embrouille encore. Maintenant qu'on est en train de l'insulter sur Facebook, elle ne va jamais, même chez Congo Sala, elle ne peut pas aller parler là-bas. C'est là où elle voit comment on pense Zoa, qu'elle va écrire les commentaires. Zoa. Pauline Sormani ne t'aime pas. C'est pour ses intérêts. Ouais. Je sais que quand vous tous, vous êtes les gens intéressés,
Parce que quand on a été Waka, quand on est Waka, il n'y a que l'intérêt qui compte. Il n'y a que l'intérêt qui compte. Donc, c'est pour ses intérêts, c'est jamais pour te faire du bien. Là où tu es là, tu sais très bien que si elle n'était pas ancrée dans ta vie, tu ne serais pas comme tu es là. Exact. Tu le sais. Exact. Moi, je t'ai dit, c'est dimanche aujourd'hui, je te parle. C'est dimanche aujourd'hui. Moi, j'ai des choses pires que ça. Pire que ça. Ce n'est pas que ta famille parle, un membre de ta famille parle à un inconnu, parle à une inconnue. C'est ça. Bon, tu peux te quereller avec ton frère, ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un souci. Parce que vous vous êtes querellé. Mais qu'un membre de ma famille parle de moi, à Zoua, ce n'est pas possible. Que quelqu'un, ma soeur, ma nièce, mon frère, prenne son téléphone, envoie des voix à Zoua, ou bien cause avec Zoua, c'est pas possible. Diamant Brut, moi, je ne peux même pas discuter avec toi. Je ne peux pas discuter avec toi parce que tu n'atteins pas la catégorie des femmes sur la toile à qui je dois adresser la parole. Diamant Brut, tu es arrivé sur Facebook après avoir Boza, le français que tu connais, la beauté que tu as. Va m'enlever d'abord le coussin que tu as sur la tête. Le machin que tu appelles mèche là, va d'abord enlever ça. Les vraies femmes, quand elles arrivent à Yaoundé, en Europe, quand elles arrivent en Europe, les vraies femmes, c'est d'abord la mèche qu'elles ont sur la tête. Va écrire à Malise en Kamba qu'elle te donne une perruque. Écris à Malise en Kamba, elle est très généreuse, qu'elle te donne une perruque pour que tu puisses venir insulter Guylaine. Elle est où? Écris-lui. Diamant Brut, pardon, on ne peut pas querer ici, Diamant Brut. Nous, on ne peut pas querer mal ici. Pardon, quitte. Va insulter les Babylonais qui t'ont abandonné. Va insulter les Babylonais qui t'ont abandonné. Mais, parce que... Non, je suis seulement en train... Je ne me mêle pas, je dis à Diamant Brut que aujourd'hui, c'est dimanche. Qu'on ne fait pas le problème. On prend du bon temps. Les vraies femmes prennent du bon temps, elles prennent du petit déjeuner, un petit déjeuner au resto, et elles sont en famille. Pardon, quitte sur notre mur. Pardon, pas. Ce n'est pas ton niveau ici. Ce n'est pas ton niveau, Diamant Brut. Diamant Brut, va faire ton débordage avec les noix que tu jubiles avec là-bas. C'est dimanche. Bonsoir, Rose de Claire. C'est dimanche. Non, bonsoir, la rose, bonsoir. Moi, je voulais seulement dire... C'est ici. Je dis que le dimanche, on ne fait pas de problème, on donne des conseils. Donc, je fais appel à la famille de Zoua. Parce que quand vous voyez une femme faire un direct pour jubiler sur un homme qui est mort et qui est venu vous donner la nourriture, même si c'était une graine de riz, vous avez mangé, vous étiez tous contents. Mais vous n'avez rien dit. Quand elle dit, moi j'ai dit qu'elle dort chez elle, qu'elle laisse les histoires que si c'est quoi Canada qui m'a dit quoi. Oh. Si je t'envoie pire même que, quand c'est Canada qui m'a aussi dit que maman Esther a demandé que tu remettes l'enfant de Nanou. Donc moi je ne suis même plus du niveau de la guerre. Je te parle. Je t'ai dit calme-toi. Si tu sors de ces choses-là un mois, il y a des gens qui étaient plus bruyants que toi sur Facebook. Hein? Tu les vois encore. Même ma nièce, là, la reine de la capille des sans-abri, est-ce qu'on ne parle encore d'elle? On ne parle plus d'elle. Ah non, elle s'est calmée. Elle s'est calmée. Elle s'est calmée. Maintenant, c'est la gamme des bosailleuses. Je t'ai dit que Pauline, son mari, qui t'a fondé là. Tu lui as donné le numéro de la... Le numéro de la salle de Lambert, elle a appelé, elle a demandé les conversations. Tu ne peux pas faire que quelqu'un pleure sa soeur, son frère, tu l'appelles et tu lui dis que donne-moi les conversations, je mets sur Facebook. C'est criminel. Vraiment. Donc, elle ne peut pas que t'enfoncer. Et quand tu pleures, tu pleures seul. Et c'est ta famille qui en souffre. C'est ta famille qui en souffre. Moi, je suis la dernière de ma famille. Hein. Je vole de mes propres ailes. Je suis la dernière. Je suis la dernière, j'ai 56 ans. Donc, quand ma maman a divorcé, je ne sais pas. Je ne suis pas l'aîné pour qu'on ait des doutes que quand tu es l'aîné et tout. Et ma maman a connu un seul homme dans sa vie.
Rose, Rose, tu dis que je laisse Diamant Brut. Les bits que Diamant Brut a déjà encaissé dans sa vie, moi qui suis sa mère, elle n'a pas encore atteint la qualité là. Ouais. C'est pour ça qu'elle vient se mettre. Arrête de parler comme ça, laisse-la. Ma Guigui, laisse-la. Parlons de vraies choses. Donnons les conseils. On a de beaux avec les Arabes. Diamant Brut, toi aussi. N'est-ce pas, tu peux partir. Tu aimes les querelles, hein? Attends, je bloque la sale race là. Attends, je la bloque. Elle veut que je la fabrique, je ne la fabrique pas. Attends, je la bloque. Ne la bloque pas, bannis-la. Bannis celle-là. Je ne sais pas comment bannir la qualité là. Parce que bannir, ça veut dire qu'elle ne peut plus commenter et puis tu ne vas pas te quereller. Bon, tu fais ce que tu veux. Non, attends, tu es en train de chercher comment bannir la sale chose là, maman. Je sais, comme, je sais bon, pas comment. Tu as la bouche, hein? Une fille qui n'a pas eu robe sur elle. Hein? Une fille qui n'a pas eu robe sur elle. Diamant Brut, quel cousmillé? Avant de Wazuko, maman. Quel cousmillé? Quel cousmillé? Ou cousmillé, là? Avant de Wazuko, maman. Emma, va t'acheter un habit. Hein? Va t'acheter un habit. Dégage d'ici. Hmm? Dégage d'ici. Merde. Ouais, ça me met seulement supprimé. Elle a la robe verte et les boucles roses. Ma, tu as décollé. Tu as vraiment décollé du Cameroun. Diamant Brut. Tu as la robe verte et les boucles roses. Donc tu es même d'abord sale. Tu n'as même pas rouge à lèvres sur ta bouche. Et toi, tu viens insulter les gens, une fille, une digne femme comme moi. Hein? Une bosailleuse que tous les Arabes t'ont framponné devant et derrière. Ouais. Hein? C'est bon alors. On t'a framponné. Hein? Devant et derrière, on t'a framponné partout. Hein? Tu n'avais pas un gars au Cameroun pour t'acheter le visa. Pour aller même dans les de visa, tu es obligé d'être framponné. Tu as parlé à Madame Chapuis. Est-ce que tu atteins les femmes qui parlent avec Madame Chapuis? Tu ne peux pas. Hein? Tu brûles les étapes. Attends, tu ne parles pas. Tu ne peux pas parler quand les femmes qui en parlent sur la toile. C'est ce que j'ai dit en haut là-bas. Qu'il faut qu'on s'isole, qu'on écoute quand les Malis Akaba ouvrent la bouche en tant que femme et quand les Stella Mougou parlent. Hein? Les colonies, bon, non. Là, voilà les femmes que vous recevez. Quand les Arabes, les Marocains, les Algériens, les Mauriciens, les Mauritaniens, tu arrives que c'est un Babiléké qui t'a fait venir en Europe. Et maintenant qu'il t'a abandonné, il a dit qu'il ne peut pas t'épouser. Tu te tournes envers les Babilékés que tu veux déjà les insulter. Toi, tu es qui pour insulter les Babilékés? Tu dis que tu es intelligent, tu as fait l'école, tu sais parler, tu es bien élevé. Tout ça, tu as laissé au Cameroun. Tout ça, tu as laissé au Cameroun et tu es venu faire quoi en Europe, hein? Bon, Maggie. Oui, on fait comme ça. Non, je crois encore l'alerte, je parle encore à la famille de Zoa. Après, je vais te laisser parce que je dois travailler encore ce soir. Moi, je suis une cotiseuse de retraite. J'ai dit donc que... parler à vos sœurs, parce que vous êtes mêlés là. Vous êtes mêlés dans les histoires de Facebook. C'est quand même horrible, quoi. Un papa qui se fait filmer en train de sortir des chiottes. On filme les chiottes. Oui, oui, oui. C'est tout ça à cause d'une personne. Un papa qui a plusieurs enfants. Donc, essayez de vous asseoir. Ne la caressez pas au sens du poil. Parce qu'elle vous a amené quelque chose dans la famille. Bon, oui. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui parce que c'est dimanche. J'ai déjà fait un direct quand j'étais à ma pause café et je profite aussi de ton plateau pour encore rappeler la famille. Moi, je n'ai peur de rien, je m'en fous. Hein. Même si on arrive à Den Haag, moi, je suis prête. Je prends pas de visa pour aller à Den Haag. J'ai les moyens pour. Mais... Maman, Marthe Zoa, tu es en train de mettre ta famille dans les problèmes et il faut que tu t'arrêtes. Ça ne sert à rien.
Facebook, c'est rien. Tu n'as pas besoin de venir prouver les choses. Tu n'as pas besoin de venir prouver les choses. C'est ça que tu as fait. Tu voulais prouver que tu étais enceinte. Tu fais une photo. Tu voulais prouver que tu as accouché. Tu dis que tu as fait une FIV. Je ne sais pas. Après, tu as accouché par césarienne. Après, on t'a tapé l'eau. Tout ça ne coïncide pas. Donc, ma soeur, je vais te parler au calme. Si tu veux la guerre, moi, je suis prête. Hein, moi, je suis prête. Voilà, moi-même, hein, j'ai dit que j'ai les missiles. J'ai dit que donc chez toi, ne dis pas que c'est seulement les deux choses-là que j'avais. J'ai pire. Pas seulement Arnaud, mais les voilà. Autres. Voilà. Voilà. Je me calme encore. Je me calme. Je veux te faire venir à la raison parce que ça commence à bien faire. Je pense un peu à tes sœurs, à tes frères qui n'ont rien à voir. Regarde un garçon comme Johnny. Même s'il agit, il agit dans l'ombre, mais c'est un garçon qui a toujours été cool. C'est pour te montrer que là où tu crois que tu te caches, c'est là où il y a les problèmes. Exactement. Donc, Zoa, tu as encore le temps. Ouais. Ne suis pas Pauline Sormani. C'est elle qui te met dans les problèmes. Voilà. Tu connais la classe. Regardez-moi la saleté qui dit que je vais répondre avec classe. Tu connais la classe. La classe commence par l'habit que tu portes, par les bijoux que tu mets. Tu connais la classe. On doit, toi, tu vas venir parler. Les boucles roses. Ma, tu vas à Halloween. Les boucles roses et la robe verte. Et les cheveux sans couleur. Toi, tu dis que tu vas répondre avec classe. Tu connais la classe. Noir, tu connais la classe. Tu veux parler de la classe là où se trouve Guylaine Chapuis, sur la toile. C'est reconnu. Tu dis qu'à Etouti, je rase les murs. Regardez-moi la jalousie. On rase les murs au cœur du salon du président de la République. Tu dis que je rase les murs. Tu vas mourir de jalousie. C'est ça qui est ça. C'est ça depuis que je suis partie. Vous avez dit que Etouti, depuis que c'est allé au hall du président de la République, là où je l'ai salué comme ça, vous pouvez mourir. Vous pouvez mourir. Je sais que ça, vous avez ça ici, mais il n'y avait pas, c'était très sélectif. Hein. Je n'ai vu que Cathy me bat dedans. Hein. Vous n'êtes la seule personne que j'ai reconnue de Facebook, ce n'était que Cathy me bat là-bas dedans. Hein. Au rôle du président de la République, au-dessus des appartements privés du chef de l'État, en train de boire la coupe de champagne et manger de la pâtisserie fine. C'était là où Madame Chapuis était. Tu dis que je rasais les murs. Toi, tu peux parler de la classe. Hein? Tu peux parler de la classe avec un bataillon d'enfants et une petite salle à manger de quatre places chez toi. Une petite table de quatre chaises. Maf, dégage. Ne viens pas nous salir le mur. Tu n'es rien. Celui qui parle de la classe me placer avec classe. Oui. Diamant, le français que tu parles, si tu as vraiment les diplômes, moi si j'avais donc ces diplômes que j'estime peut-être que tu as, je ne serais pas en train de torcher les blancs. Hein, parce que ce qui est fait ici au Cameroun, maman, ce que je fais ici au Cameroun, je ne sais même pas ce que tu fais sur mon mien. En fait, le dimanche, j'ai appris que ça paye double, non? Tu fais quoi à la maison? J'ai appris que ça paye double. Hein? Tu réponds, est-ce que moi je connais même d'abord ton mur? Je ne sais même pas ton mur. Les gens qui me connaissent ne te connaissent même pas. La classe de personnes que je fréquente ne peut même pas savoir qui tu es. Donc, que tu répondes ou que tu ne répondes pas. Tu m'as déjà vu sur ton mur un jour. Je ne connais même pas comment ton mur s'appelle en fait. Hein? Je ne connais pas comment ton mur s'appelle. Que tu me répondes, que tu ne me répondes pas. Ça ne m'intéresse pas puisqu'il n'y a même personne qui viendra me dire qu'il y a diamant brut là-bas. Parce que je ne suis pas en contact avec les gens qui sont comme toi. Tu es en quelle classe? Une fille qui est nue. Tu portes le pull rose de poupée Barbie. Et tu fais le live avec. Toi, tu crois qu'on regarde la qualité là ici au Cameroun? Hein?
va répondre. Dégage. Et puis là, je te bloque. Sale pute. Hein? Hein? Oui, je bloque la bêtise. Je bloque la bêtise. Sale chienne. Une saleté. Une fille qui s'est framponnée par au moins 200 Arabes avant d'arriver en Europe. 200 Arabes, diamants bruts. Je vais faire un direct au bénéfice. Je ne sais même pas, je ne vais même pas perdre mon temps pour salir mon mieux avec toi. Parce que l'image que toi, diamant brut, tu as au Cameroun, c'est que l'année que tu mettras pied que tu comprendras. L'image que toi, tu as au Cameroun. Tu as compris? Regarde-moi les cheveux qu'elle a sur la. Tes cheveux là ont même quelle couleur, ma. Hein? Parce que depuis que tu es sur la toile, je te vois avec la perruque là. Là tu n'as pas appris qu'on refait les couleurs? Va refaire les couleurs. Hein? C'est trop sale, c'est terne. Déjà, ton teint est terne et les cheveux sont ternes et tu mets la robe verte et les machins accrochés sur ton oreille rose. Et tu viens parler à Madame Chapuis? Tu viens parler à Madame Chapuis, toi? Les gens qui me suivent ne peuvent pas te connaître. Parce que c'est d'abord l'image. Hein? Tu es sale, tu n'as rien. Hein? Tu es sale, tu n'as rien, tu ne représentes rien. Hein? Dès que tu commences le live, ton bataillon commence à crier et tu leur cries dessus. Tu leur cries dessus parce que tu es débordé. Parce que comme on t'a dit que quand on amène les enfants en Europe, les Français leur donnent l'argent. Hein? Fais voir là où tu as inscrit tes enfants. C'est les machins que vous ramassez, vous partez balancer dans les écoles publiques. Hein? Vous venez ramasser en Afrique pour aller verser à les écoles publiques. Hein? Fais voir là où tu as inscrit tes enfants, si tu leur payes l'école. Hein? Tu es là. Oui, je te donne 1 euro. Je te donne 1 euro, va faire pipi. Je te donne 50 centimes, va faire pipi. Maf, dégage. 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 C'est pas ton niveau chez Chapuis. Ton niveau, c'est dans la gamme. Tu sais, ton groupe là où vous avez insulté la première dame. C'est ça ton niveau là-bas. Et nous, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. Hein? Mais je suis une baba. Je suis une. Tu vois pas que depuis les gens me disent de te bloquer, que tu salues mon mieux, et que je n'arrive pas à te bloquer parce qu'ils veulent d'abord te mettre les choses dans les oreilles. Tout le monde, tu as vu, ils disent que je te bloque, mais je n'arrive pas à te bloquer parce qu'il faut que je te verse et que je te dise que ne reviens plus ici, va là où tu mérites. Hein? Parce que quand c'est clair que quand tes fesses ont fait un bilan de plus de 300 fouets. Pour traverser, c'est clair que c'est compliqué, diamant brut. Hein? C'est compliqué quand tu as eu 300 Arabes qui t'ont framponné le derrière, le devant. Pour que tu prennes le bateau comme ça, là. Pour... Non, ah là là, je te bloque. Oh, je. 300. Même si c'est payant, tu parles de 1 euro, de 50 centimes devant les gens. Misérable avec ton bataillon. Bam! Allez! Tu dégages. Allez. Tu dégages. 300 Arabes ont framponné comme ça. Tu passes, Hamadou framponne. Saïd framponne. Omar framponne. Tout le monde framponne. Pour que tu arrives en Europe. Pour que tu arrives en Europe. Parce que tu es une grosse bosailleuse. Tu as bosa. Pour venir torcher les cuits des blancs. Et ramener ton bataillon. Pour ne même pas pouvoir trouver un mari. Trouve quelqu'un qui te met le diamant au doigt. Tu es en Europe, non, on a un amintan. Un diamant brut. À nous, quoi, un amintan, tu n'as pas encore trouvé celui qui te. Hein? 82, 72, plus 12. Pierre de diamant. Qui a mis un genou par terre pour dire chérie, je t'aime, veux-tu m'épouser? Ça. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Non, chérie, j'ai mes enfants au Cameroun qui me tiennent à cœur. Chérie, je gagne 15 000 euros par mois. Tes enfants, c'est mes enfants. Ton amour, c'est mon amour. Diamant brut, ton niveau, ce n'est pas ici. Chérie, tes enfants ne feront, nos enfants ne feront que des écoles privées. Chérie, nos enfants ne feront que des écoles privées. Diamant brut, ton niveau n'est pas ici.
chérie, j'aimerais aller challenger au Cameroun. J'aimerais aller faire des challenges pour personnel au Cameroun. Chérie, tu n'as pas à travailler en Europe parce que ton salaire n'apportera rien dans cette maison. Fais les cours de cuisine pour que tes enfants mangent bien et fais les cours de Croix-Rouge pour les premiers secours pour eux. Et quand ils ont le bac, tu peux travailler au Cameroun. Tu auras un homme qui va te faire ça. Mon compte au Cameroun est relié à celui de France. Je gère 15 000 euros tous les mois. Diamant brut, je te prends. Tu me fais les heures de ménage ici. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu évites mon mur parce qu'on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau. Et cette fois-ci, j'ai les appartements loués au Mont-Fébé. Je vis où je veux et comme je veux. Je dors où je veux et je paye partout. Je suis fan de la location. Wawok. Pauvre fille. Je ne travaille pas. Mon mari travaille pour moi. Tu ne comprends pas quoi? Mon mari a 15 fois ton salaire diamant. Tu as 1200 là où tu torches toutes les couleurs des caca des blancs. Mon mari a 15 000 euros par mois. Et si tu fais un mec, je te poste ça. La fiche d'impôt 2022. Si tu fais un mec, je te poste ça. Si tu fais mec, je te poste la date. Ça fait 19 ans de vie. 19! Les prénoms, premiers cheveux blancs. Ces premiers cheveux blancs, c'est entre mes mains. Mes premiers cheveux blancs, c'est entre tes mains. Toi, tu es qui? Va te renseigner celui qui a ce salaire-là. Quel pilier il a en Europe? Quel pilier la femme gère en Europe? Minalmi. Mes gens! Annie, je ne la bloque pas. Oh là là, c'est sur ce téléphone. Comment je fais? Comment je fais pour... je vais te les poster, diamant brut. Je poste la fiche d'impôt de mon mari aujourd'hui et je poste sa fiche de salaire aujourd'hui. C'est vrai, quand tu es dans ton monde, tu peux même pas... Il n'y a personne en France qui a ce salaire. C'est vrai que dans ton monde. C'est pourquoi je te dis que tu n'as pas de place là. Dans ton monde, c'est impossible que quelqu'un ait ça. Dans ton monde, mais quand je vais poster, tu vas confirmer. Parce que soit ta soeur, ta cochère, j'ai posté, elle a vu, elle a fermé la bouche à vie. Elle a fermé la bouche à vie. Merde. Oh là. Voilà. Pauvre femme. Mais bien sûr, je ne loue pas en France, pauvre idiote. Pauvre idiot, je suis propriétaire en France quand les Arabes franponnaient encore tes fesses devant, derrière. Parce qu'on m'a dit, quand c'est normal que depuis que tu es arrivé, aucun homme ne reste. Parce que derrière est comme ça, devant est comme ça. Je ne loue pas en France. Je ne loue pas. Je ne suis pas dans les HLM comme toi. Parce que toi, tu ne peux même pas vivre à Paris. Ma soeur est au cœur de Paris. Elle vit au cœur. Toi, tu ne peux pas vivre à Paris parce qu'il n'y a pas les HLM là-bas. Tu dois être dans un petit truc là, un petit truc en province là, là où les maisons chôment là-bas. C'est là où toi, tu dois vivre, dans les HLM. Moi, je n'ai jamais vécu dans les HLM, hein, madame. Ah, donc, quand tu venais m'attaquer, tu ne savais vraiment pas qui je suis. Donc, tu ne savais pas qui je suis. Donc, toi, tu crois que tu m'as vu à tout, tu me vois et tout dit pour rien. Tu crois que la première dame m'a demandé de créer une association en France pour rien. Et que ce soit sa gouvernante qui soit la marraine de l'association. Tu dis quoi, que je crée l'association pour escroquer? C'est la première dame elle-même qui est marraine, numéro un. Et marraine d'honneur, c'est sa gouvernante. Waouh, aidez! Et c'est en train de se profiner. Vous allez mourir de jalousie. Vous êtes clique des camps tribalistes de la toile. Après, à la fin du mois, va à la CAF. C'est ton niveau là-bas. Va à la CAF. Et tu vas assez là où tu t'habilles. Pauvre, pauvre con. Mais oui, la Croix-Rouge, tu vis à la Croix-Rouge. C'est là où tu vis. Parce qu'à te voir, effectivement, tu vis là-bas. T'as rien. T'as rien. Tu n'es rien. On ne te voit pas. On ne sait même pas si tu viens. Tu sais que tu viens en France. Parce que tu es sale. Hein? Tu es dirt. Hein? Tu es vraiment dirt. You are dirty. Dirty, tu es dirt. Même quand on voit l'habit sur toi, vraiment, c'est
Même avec les allocations, apparemment, on te donne 150 euros par enfant. On te donne 150 euros, plus les 1200 euros, plus les HLM, où vous êtes des voisins avec les cafards et tout ça. Tu n'as encore vu rien. On n'est pas pareil. Diamant, viens faire un mois au Cameroun, on voit. Viens faire un mois en location au cœur de Bastos, au golf, on voit. Ah, c'est très facile de dire qu'en location. Viens voir, viens faire un mois en location. On voit. On voit. C'est pas les années que je suis. Viens faire un mois en location au golf. Vous aimez ouvrir la gueule comme ça, pap, 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 pap. Un immeuble conçu sous la norme européenne par les Hollandais. Là où aucun Camerounais ne reste. Viens, on te donne ça un seul mois. Avec ton bataillon, là, pourvu qu'il ne salisse pas les murs. On voit. Pourvu qu'il ne salisse pas les murs. Harmonie dit que si tu veux t'embaucher. Ma fille Harmonie dit que c'est elle qui va t'embaucher. Parce que là où on peut t'embaucher ici au Cameroun, avec tout ce que tu as subi. Ah, en attendant, Diamant Brut, est-ce que quand tu es arrivé en France, tu as quand même tu as rencontré les psychologues? Alain Tchamo est où? Bipez-moi Alain Tchamo. Il faut absolument, parce qu'Alain Tchamo a beaucoup d'adresses de psychologues. Parce que vous savez, c'est que ces gens-là, les beaux ailleurs comme Diamant Brut, subissent. Alors, pourquoi tu ne pouvais pas venir dire que tu veux le travail? Maintenant, mes gens, vous êtes 100 personnes, maintenant elle vient dire qu'elle veut le travail. C'est les gens qui cherchaient l'amitié avec Mme Chapuis, les gens qui cherchent à être en contact avec elle et qui viennent d'abord avec les injures et à la fin, elle clôture qu'elle cherchait le travail. Pourquoi tu n'es pas venu inbox dire que ma grande soeur, comment tu vas là-bas? Comment c'est là-bas? Ma grande soeur, comment vous savez, je suis très gentille. Je suis très, très gentille, mais moi, je ne vais pas te donner le travail. Je vais te donner des stratégies pour s'en sortir au Cameroun. Parce que moi, je ne, à grand jamais, je ne conseillerais jamais quelqu'un de chercher le travail pour gagner tel montant à la fin du mois. Si vous attendez ça de moi, moi, je ne l'ai pas fait, je ne le conseillerais jamais. Quand tu es comme moi, là, parce que je boue, j'ai tellement d'énergie. Je ne peux pas aller m'asseoir derrière un bureau pour dire que j'attends la fin du mois. Si je ne suis pas né pour ça. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Je suis vieille. Je suis vieille Diamant Brut. Toi, tu ne vieilliras pas. Mais grâce à ma vieillesse, tu me torches le cul. Tu laves les fesses de ma belle-mère. Tu laves le bangala de mon beau-père. Tu les torches, tu les essuies, tu les changes. Si la vieille là n'existe pas, Diamant Brut, tu vas vivre de quoi? Tu vas vivre de quoi? Si les gens commencent à mourir jeunes, tu vas travailler où, Diamant Brut? Parce qu'aujourd'hui, tu t'en sors. Tu essaies de t'en sortir dans ta misérable vie parce que les gens qui ont vieilli font caca dans les couches et que Diamant Brut doit venir les enlever. Diamant Brut doit les laver. Elle doit les balader. Elle doit aller leur faire les courses. Et on lui donne 1200 euros à la fin du mois. Tu devrais honorer les vieux. Tu devrais honorer les vieux. Faire les soins, c'est le bon français, Diamant Brut. Mais faire les soins, c'est quoi? C'est laver les caca, Diamant Brut. C'est ce que tu fais en Europe. C'est accueillir les pipis. C'est ramasser les vomissements. C'est ton travail. Faire les soins, ça, c'est du beau français. Mais moi, pour que mes followers comprennent, je ne vais pas parler du beau français que tu as appris. Le beau français que tu as appris. Moi, le peu que j'ai appris, je le fais valoir ici au Cameroun. Mais tout ça que tu as appris, c'est pour aller, tu enlèves, tu ramasses, choup, tu as... Maf, dégage. Laisse-moi parler à mes fleurs. Je n'ai pas parlé à mes fleurs depuis ce matin. D'accord? Les médecins ne lavent pas les caca. Tu manques. Mouf! Le petit frère, mon mari, est médecin, ne lave pas les caca. C'est toi qui laves les caca. C'est toi qui lances, c'est toi qui changes les couches. Et malheur à toi si les pipis font 2 minutes dans les fesses du blanc. Le médecin soigne. Toi, tu laves les caca, Diamant. Tu as compris? Waouh, aidé. Toi, tu laves les caca. Tu lâches ma belle-mère pendant que je me la coule douce.
Tu fais tout à ma belle-mère. Belle-mère, tu es là. Diamant brut. Écoute même d'abord le nom qu'elle se donne. Diamant brut. Elle dit, tu es bête. Toi, tu... Dis donc. Dis donc. Je te vois tripoter les 2 euros avec tes enfants, les 1 euro, les 50 centimes. Ich. Au Cameroun, je ne tripote pas la qualité. Au Cameroun, je tripote les cartes bancaires. Tu as vu tout à l'heure, je suis allé acheter le sèche-neige. J'ai donné ma carte à ma belle-fille. Jack, elle a payé. C'est ça. Et ça, c'est le travail que j'ai fait en main. La crédibilité, là, c'est ça qui va arriver jusqu'à étudier. Au-dessus de votre tête, les appartements du chef de l'État. Et tu viens parler à qui? Tu dis que nous, on a organisé. Sache que c'est la première dame elle-même est derrière. Tu ne peux ne pas être interdit bancaire. Tu as d'abord eu un compte bancaire. Tu as fait quoi? Tu as 1200. Ton compte bancaire se résume à recevoir les 1200 et les conneries de la CAF que tu reçois. Hein? Tu as compris? Alors, quand vous ne connaissez pas les gens, ne les attaquez pas. Sur ce, retourne dans ton monde. Ici, ce n'est pas ton monde. Et sur ce, on n'est pas amis. On ne sera jamais amis. Et je te dis au revoir. Et ne cherche plus jamais à t'abonner à mon mur. Parce que on n'est pas du même monde. Tu vas arriver là avec les faux profils. Parce que l'association va voir le jour dans quelques jours. Et elle sera parrainée par la première dame. Comme membre d'honneur, sa gouvernance, les madame Moudiki, parce qu'on juge quelqu'un par la distance et tout ce que, tout ce qu'elles ont jugé sur moi pour dire que c'est moi qui dois faire. Tu as compris avec quoi? Et sur ce, je te bloque, pauvre idiote. Tu vas me laver tes cheveux. Allez, tchac, j'ai bloqué. Voilà. C'est ça. Diamant brut. Alors, ok. Alors, on était sur Zoa. On revient sur Zoa demain. Et on revient aussi. On laisse un peu Zoa tranquille. On va reprendre avec elle quelques jours avant l'enterrement de Lambert. Quelques jours avant l'enterrement de Lambert, c'est là où on va reprendre avec soi. On la laisse un peu, parce qu'on a besoin de se concentrer pour les obsèques de Lambert. Donc, on laisse ça d'abord de côté. Et nous allons prendre... Je vais super bien, mais il y a une sale bordel qui s'est fait framponner par tous les Arabes du Cameroun qui est venu m'attaquer là. Et j'ai servi ça. Avec dessert, je lui ai servi ça avec dessert. Hein? Je lui ai servi ça avec dessert. Voilà. Donc, on va attaquer dès demain le sujet de tribalisme. Hein? On va attaquer ça dès demain parce que nous suivons le gouvernement et nous suivons comment est-ce que ça se passe. Et si nous sommes républicains, on doit écouter et être au rythme de la République. La République est interpellée par les langages très, très orduriers d'une clique des Camerounais, que ce soit du côté de l'Ouest, que ce soit du côté Ekan, qui parlent beaucoup du tribalisme. Nous allons engager ça demain pour pouvoir leur expliquer pourquoi le tribalisme ne peut pas voir le jour au Cameroun. Et pourquoi le vivre ensemble n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Parce que nous avons vécu toute notre vie ensemble et mélangé, nous avons fait des enfants. Voilà pourquoi nous allons donner des arguments, beaucoup d'arguments, et puis inciter tout le monde à combattre tout ce qui est langage, tout ce qui est langage tribaliste.
parce que ça ne nous avancera pas. Heureusement que tout ça s'arrête à la diaspora. Ici, nous, on n'a pas ce genre de problème. Mes plus bons partenaires, ce sont les ECA. Et je suis aussi quelqu'un de confiance pour eux. Je suis je suis quelqu'un de confiance pour les ECA en matière d'affaires. Vous allez voir que aujourd'hui, j'ai une affaire avec un Bassa et un Bamileke, une Bassa aussi, une ECA. Et ça se passe plutôt très bien. Nous, on n'a pas ce problème de... C'est moi qui parle toujours et quand je suis avec tout ce monde-là. Mais on n'a pas ce genre de problème. Et je vous dis, si vous remarquez très bien, c'est la clique des misérables qui sont dans cette logique. Quand tu es un misérable, tu commences à chercher les poux partout. Hein? Voilà. Allez, je vous aime... très très fort, je vous aime très très fort. Quelle heure? Il est 13h. Bon. J'ai un rendez-vous à 14h ici à la maison, un rendez-vous de travail qu'on doit peaufiner pour la journée de demain. Donc, je vais devoir vous laisser et tac. Je vais devoir vous laisser. Pour préparer cette réunion. Hein? Je vous aime très très fort. Comme j'aime le Cameroun. Comme j'aime cette République. Comme j'aime comment il va. Comme j'aime comment il avance. Comme j'aime comment des choses nouvelles se mettent en place. C'est à cette hauteur que je vous aime. C'est une phrase que le président de la République a prononcée le 20 mai, quand il faisait le bain de foule à l'intérieur. Quand on le saluait, il disait « Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. » Il faisait « Je vous aime. » Et depuis ce temps-là, j'ai toujours beaucoup utilisé ce mot, mais c'est encore beaucoup plus aujourd'hui. J'adore l'utiliser parce que j'ai aussi entendu le président le dire. Donc « Je vous aime. » C'était une façon de dire « Je vous aime comme j'aime le Cameroun. » Je vous aime. Il faisait je vous aime, il saluait tout le monde. Donc moi j'ajoute, comme j'aime le Cameroun, laissez-nous cette clique des misérables, comme les diamants en but de s'embrouiller, laissez-nous parce que ça n'ira nulle part du tout. Le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Ça c'est la phrase du président de la République. À la création, je ne sais pas moi c'était à quel discours, c'était la tournée de toutes les régions. On appelait encore les provinces. Arrivé à l'Ouest, il a dit, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Et les gens qui croient qu'après Biya, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils se trompent. Parce qu'après Biya, les choses vont seulement avancer. Et dans l'optique qu'aura laissé le président Biya, c'est ça qui est ça. Allez, bisous à vous, hein. C'est dit à plus tard. On va lancer un live à plus tard.